Bonjour, donc euh, voilà, je suis Muriel Franville, je suis chargée euh, des stages et de l'insertion professionnelle pour euh, l'université Stendhal, et je coordonne ce qu'on appelle les BAIP, les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. Euh, le SIO est vraiment ravi de participer à cette journée. Euh, oui parce que euh, vraiment c'est l'occasion effectivement de pouvoir montrer la diversité des contextes la diversité des métiers la diversité donc des missions et donc des compétences qui peuvent être mobilisées et c'est un plus énorme pour nos étudiants qui peuvent se représenter bien sûr les, les contextes d'évolution et construire ainsi ben, leur projet euh, leur projet professionnels euh, alors cet exercice je vous avoue, euh, me semble un peu sportif. Euh, donc euh, on m'a demandé en gros de faire une synthèse de la journée en dégageant donc euh, toutes les compétences qui avaient été présentées aujourd'hui. Alors je vous demande un tout petit peu d'indulgence parce que pour avoir un peu une lisibilité sur les 17 euh, pages de notes que j'ai prises, j'ai fait un tableau synthétique. Euh, le seul souci c'est qu'il n'est pas dactylographié et donc euh, il est écrit en hiéroglyphe. Donc, il est possible qu'à certains moments, j'ai à zoomer un petit peu. Voilà, merci pour votre indulgence. Alors. Euh, Peut-être pour commencer euh, revenir un petit peu sur tout simplement euh, ce qu'on appelle une, une compétence. donc il y a plusieurs modèles hein, pour définir cette notion de compétence. moi j'en ai utilisé une qui est la plus communément utilisée en France euh, et qui permet en fait de euh, définir la compétence selon trois axes assez connus qui sont euh, qu'une compétence ne peut exister sans avoir d'abord des connaissances, sans avoir également euh, des capacités, c'est-à-dire la capacité à mettre en action les connaissances que l'on a pu euh, acquérir, et puis sans avoir aussi un certain nombre euh, de comportements. Certains parlent de savoir-être, et ces savoir-être vont guider la manière dont on met en pratique donc, les, 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 les compétences en question. Donc en gros, c'est un schéma qui se... Donc on dit aussi, on parle souvent de savoir, de savoir faire et de savoir être. Et puis on rajoute souvent dans ce schéma aujourd'hui une quatrième dimension qui est le savoir devenir. Et en l'occurrence, euh, je pense que je pourrais en reparler aujourd'hui puisque on a bien entendu la notion de mobilité et j'y reviendrai dans cette synthèse. Euh, alors, par rapport à, à, à ces éléments, euh, lorsque je parle donc de ces fameux, euh, ces fameuses euh, Savoir, savoir-faire et savoir-être, bien évidemment, j'ai envie de partir d'un socle commun qui a été abordé tout au long de la journée et qui est non pas celui spécifique aux fous ou aux fosses, mais euh, qui est peut-être plus spécifique au métier de l'enseignement en général. Et parmi cela, euh, parmi les capacités qu'on peut reconnaître, alors juste pour vous aider, les capacités très souvent sont exprimées en termes de verbes d'action. Donc euh, la plupart d'ailleurs des intervenants l'ont euh, bien décliné euh, de cette manière-là. Et euh, du coup, euh, je vais reciter euh, déjà les disons les six grandes capacités qu'on retrouve de façon systématique dans le cadre des métiers et des missions de l'enseignement. Donc être capable de répondre à une commande, être euh, capable d'analyser la demande de nouveaux publics et donc euh, la commande des apprenants, être capable d'interpréter euh, et d'évaluer des besoins, de structurer une progression pédagogique qui soit bien sûr cohérente et qui s'inscrivent dans une démarche et un programme pédagogique, d'évaluer des séquences pédagogiques et didactiques, d'élaborer donc un plan de formation et puis euh, bien sûr d'assurer le suivi des apprenants. Il est aussi important de savoir construire des référentiels de compétences, euh, et euh, c'est un sujet d'ailleurs sur lequel je vais revenir puisque c'est quelque chose qui a été très développé donc euh, sur la thématique du fou ou du fausse. Lorsque je parle de ces champs de compétences, euh, une compétence n'a de sens que dans un contexte donné. C'est-à-dire que cette compétence va bien évidemment complètement euh, et varier, être différente euh, selon que, euh, selon d'une part, alors là je, je cite hein, tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais euh, bien sûr les publics et surtout euh, euh, donc la variété des publics et de leur niveau. Bien sûr, ces compétences vont être différentes en fonction du lieu où on les pratique. On a bien entendu aujourd'hui que les contraintes, par exemple, budgétaires des uns, les moyens mobilisés par les autres, les possibilités d'équipement que les uns ont et que les autres n'ont pas forcément, vont automatiquement faire varier le travail des enseignants. On a eu, par exemple, le fait, quand on compare, par exemple, l'expérience en Chine et celle au Vietnam, on entend parler d'un volume horaire très différent et qui est notamment argumenté par le fait qu'on n'a pas forcément les moyens, euh, de, euh, les moyens numériques au Vietnam et en particulier la possibilité de travailler sur des plateformes autonomes. Euh, on a entendu qu'il n'y avait euh, pas forcément la possibilité non plus de les faire travailler sur des laboratoires de langue, etc. Donc ce qui suppose un travail en face-à-face -face, euh, plus important. Voilà. Euh, ces compétences, elles vont aussi être différentes évidemment en fonction du statut euh, de la structure dans laquelle on, on, on travaille. Euh, euh, on n'a pas du tout les mêmes contraintes budgétaires si l'on est euh, ben, dans l'industrie, euh, dans, une, dans une, un institut français ou euh, dans une structure à coloration associative. Enfin, euh, le, le statut des personnes va, être, va, va aussi faire évoluer les choses. Euh, ce n'est pas la même chose euh, selon que je suis stagiaire, que je suis titulaire euh, dans mon poste, et puis surtout, ce qui va jouer beaucoup, c'est mon ancienneté. Or, dans le cadre, me semble-t-il, de ce qui a été dit aujourd'hui, euh, le, le, le fou implique vraiment des acquisitions qui sont progressives. Et euh, plusieurs témoignages aujourd'hui sont revenus sur le fait que c'était une expertise qu'ils ont euh, développée de façon, euh, enfin, par étapes. Euh, nos premières collègues euh, qui sont intervenues ont beaucoup insisté sur le fait qu'il bah, y a quatre ans, je savais rien. Et puis aujourd'hui, eh j'ai développé un certain nombre de compétences. Je me suis formée, bien sûr, à des questions autour des lexiques, etc. Euh, Au-delà de ces, ces compétences globales et de ces contextes qui vont, être, qui vont faire vraiment varier euh, le, le métier, les missions et donc les compétences mobilisées, euh, j'avais envie de faire, euh, pour la suite de l'exposé, un parallèle. Euh, on entend très souvent que euh, la qualité d'un support pédagogique et voire la qualité d'un pédagogue dépend beaucoup de sa capacité à avoir lui-même vécu de l'intérieur ce qu'il va proposer par la suite. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, tous les exercices qu'il propose, il se les est d'abord appliqués avant de les proposer euh, à ses apprenants. Et je me dis que dans ces cas-là, les enseignants de FLE et de FOSS doivent être des excellents enseignants. Et je vais m'expliquer... Euh, donc, euh, avec l'accord de Paolo, je vais réutiliser un de ces slides. Euh, il me semble que vraiment une des choses qui était frappante dans cette journée, c'est qu'on a très souvent entendu parler des référentiels, donc euh, de ce qu'on attendait des apprenants. Et il me semble que euh, le processus, il euh, y a vraiment un parallèle entre le processus du vécu de l'apprenant et du vécu de l'enseignant. Et par rapport à cet enseignant, alors là euh, est présenté donc un, un, un slide qui présente donc les, les attentes vis-à-vis -vis de l'apprenant. Et en l'occurrence, moi, ce que je vais présenter ici, c'est bien les compétences développées par l'enseignant. Mais en ce sens, je crois que j'ai un plan puisque c'est, euh, je crois, exactement euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on attend de l'enseignant ce qu'on attend de l'apprenant. Et il y a vraiment, euh, et c'est intéressant, en permanence, concomitance entre les deux. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé euh, au cours de toute cette journée. Alors, eh bien, je vais, euh, je vais attaquer ce parallèle. Alors, je ne vais pas le faire exactement dans, dans le sens où c'est proposé, mais je vais, je crois, reprendre tous les termes de ce slide, que je connaissais pas avant. Donc, euh, voilà, c est, c est assez, ça m'a vraiment frappé. Euh, je vais commencer tout simplement, donc euh, je, vous, je vous propose bien évidemment d'enlever le mot ingénieur et de mettre à la place le terme d'enseignant en, 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 en fou ou en fosse. Et euh, je commencerai tout simplement en attendant d'un enseignant d'être mobile et adaptable. Alors mobile et adaptable. Effectivement, ce qu'on a entendu pendant toute cette journée, eh c'est d'abord, euh, en termes, alors, je vais commencer par adaptable, adaptable aux connaissances interculturelles. Et ça, c'est vrai qu'il a été vraiment dit et redit euh, à quel point euh, le statut de, de, de l'enseignant est, 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 est très différent. Alors, on se retrouve face à un public qui a des valeurs, qui a une culture, qui a des croyances, voire des tabous, euh, qui sont très différents des, des, des nôtres. Euh, voilà, je, je vous avais dit que c'était hiéroglyphe. Hein. <laughs> Euh, donc, bien évidemment, euh, tous les collègues se sont arrêtés sur la question du vocabulaire et du lexique et de la terminologie. Euh, on a eu, par pour exemple, le fait que des, les opérations, par exemple, euh, pour qualifier le, 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 les opérations en chinois, on a un seul mot, là où en français, on a toute une déclinaison. Euh, et bien évidemment, il y a aussi euh, quelque chose de très fort autour de la culture pédagogique. Euh, au niveau de la culture pédagogique, il y a une adaptation importante puisque toutes les, les cultures euh, euh, auprès desquelles on va enseigner n'ont pas forcément l'habitude de justifier, d'argumenter. Euh, elles n'ont pas forcément l'habitude non plus euh, de... Euh, d'être en, en interaction avec euh, l'enseignant, et en particulier, la posture de l'enseignant n'est pas la même euh, pour eux, et euh, une vision qui a été redite à trois reprises, c'est que euh, l'enseignant, dans, dans leur cas, et c'est celui qui sait, euh, là où euh, souvent les techniques de l'enseignement du FLE vont être euh, de chercher l'autonomisation, vont être de euh, chercher à euh, sensibiliser... Euh, à permettre à, à, à la personne euh, d'interagir, euh, bien évidemment, de prendre la parole pour aussi s'approprier une des compétences euh, vraiment attendues, à savoir à la capacité à euh, présenter un exposé oral, etc. Euh, toutes ces, ces connaissances, euh, cette, ces, ces connaissances interculturelles, euh, enfin, sont, sont nécessaires pour développer les, les les capacités, les savoir-faire suivants. Donc, bien sûr, acquérir une méthodologie qui est radicalement nouvelle, remplacer les techniques de classe euh, et les connaissances de, de langue... Dans, euh, pardon, replacer, excusez-moi, les techniques de classe et les connaissances de langue dans un contexte pédagogique qui va être très ciblé. Ça va être de s'adapter à un contexte pédagogique. Ça va être surtout d'individualiser les besoins euh, par rapport à des projets d'études qui vont être très différents, c'est aussi d'être capable de, de construire à, et d'accompagner l'individu à euh, construire un itinéraire personnalisé c'est aussi de préciser les objectifs d'une formation pour permettre l'adhésion du public. Alors ça, c'est un élément sur lequel je vais un tout petit peu zoomer, c'est-à-dire qu'il a été aussi redit. Alors, je, je, je précise que pendant toute la journée, j'ai essayé de, de, de signaler les récurrences, les éléments qui revenaient de façon euh, régulière. Je vais essayer de vous dire à chaque fois combien de fois j'ai réentendu l'idée. J'avais prévu de le faire, j'ai oublié de le faire tout le début de mon exposé, j'en suis désolée. Mais, euh, par exemple, sur euh, euh, permettre l'adhésion du public, ça, c'est une idée qui est revenue à quatre reprises auprès de quatre intervenants, et en particulier en disant que, du fait de ces différences interculturelles, il est absolument essentiel de repréciser le sens de la formation, le pourquoi on fait cette formation, euh, et euh, de repréciser de façon très régulière les objectifs. Objectifs qui, plus est, qui doivent sans arrêt être régulés, on y revient. Donc, première chose donc cette capacité euh, d'adaptation euh, qui euh, suppose en termes de savoir être le respect de la culture un esprit d'ouverture de curiosité euh, d'aventure donc là on a décliné par rapport à cette question d'adaptation à la fois des connaissances des savoir-faire et des savoir-être qui sont requis et on arrive sur cette question qui est très très liée à la question d'adaptabilité à savoir cette fois la question donc d'être mobile et il nous a bien été précisé au moins à trois reprises que la question de mobilité, ce n'était bien évidemment pas qu'une question de mobilité géographique, bien que dans ce cas-là, la mobilité géographique est assez indispensable. Euh, la, la mobilité, c'est bien évidemment la... Alors certains utiliseraient le terme de flexibilité, euh, ce qui n'est pas toujours très apprécié, mais cette mobilité, en fait, c'est vraiment cette capacité, notamment, euh, à intégrer un environnement multiculturel. Par rapport à cet environnement euh, multiculturel, donc la capacité à euh, intégrer euh, et à comprendre l'hétérogénéité des, des niveaux, donc bien sûr avec des publics qui sont différents, mais euh, c'est aussi euh, une hétérogénéité des parcours. Euh, on va avoir et, euh, des, des interventions sur des thématiques extrêmement variées, euh, et on entend bien qu'un enseignant de FLE n'est pas forcément spécialisé ou ne va pas spécialement travailler avec une section spécialisée en médecine, mais va pouvoir avoir différents groupes, l'un spécialisé ou se formant vers des métiers du tourisme, d'autres vers les métiers du génie civil, d'autres vers la gestion, d'autres vers l'industrie. Autrement dit, on entend là une capacité d'intégration très très importante de en termes de terminologie, de vocabulaire, etc. Et puis, ben, pour pouvoir rentrer euh, et être capable euh, de, 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 de s'adapter, d'avoir cette, cette mobilité-là, eh bien, euh, il est complètement indispensable de travailler euh, en équipe. Donc, on arrive sur un autre paramètre. Donc, l'ingénieur doit être capable de travailler en équipe. L'enseignant est plus que, l'enseignant de fou doit être plus que capable de travailler en équipe. C'est, euh, on va dire, probablement, euh, le, la, la colonne vertébrale de son métier. Alors, justement, en termes de récurrence, donc le score absolu, le, le, le terme qui est revenu le, le plus souvent est le terme de coopération, puisqu'il a été cité au moins 15 fois. Euh, C'est cette capacité de travailler en équipe. Euh, alors, je vais, je vais simplement citer des termes qui ont été euh, dits autour de cette thématique. Donc, on entend le mot coopération très étroite entre enseignants de FLEU. Mais pas uniquement. Cette coopération très étroite, elle se fait aussi, bien évidemment, avec des spécialistes des autres domaines. Cette coopération, elle se fait également... Euh euh, avec, euh, j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai pas le terme directement. Euh, Lorsqu'on a parlé de ces, cette, cette capacité à travailler en équipe, cette capacité de coopération, on a entendu euh, parler aussi de travail permanent en équipe, de va-et-vient incessant entre les équipes, d'interdisciplinarité, d'équipes euh, pluridisciplinaires euh, et euh, d'un travail affiné entre les équipes, de copilotage et de partenariat. Ces termes-là sont revenus dans la bouche de tous les intervenants. Absolument tous les intervenants ont parlé de, de, de ces éléments-là. Euh, ensuite, on voit, on, je l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une compétence, elle, est, elle va être différente en fonction d'un contexte. Et on a bien repéré que selon les structures qui nous étaient présentées aujourd'hui et les moyens qui lui étaient alloués, la capacité de partage n'est pas toujours la même. Cette capacité de partage, elle peut être hebdomadaire dans, par exemple, trois des structures qui ont été présentées parlaient de partage hebdomadaire, c'est-à-dire de réunion entre les enseignants de FLE et les enseignants spécialisés dans les matières des formations enseignées on a vu que par contre dans d'autres structures euh, cette, cette possibilité d'échange était euh, moins évidente et à ce moment-là on a beaucoup entendu parler d'auto-formation donc de capacité à aller chercher l'information euh, à aller la chercher euh, sur, euh, sur la toile à aller euh, la chercher euh, alors euh, on a entendu une pirouette aussi à un moment, c'est-à-dire, euh, eh bien, ces personnes sont formées et sont capables euh, euh, aujourd'hui de très bien maîtriser euh, la logique spécifique de la matière euh, parce qu'ils sont, ils ont de l'ancienneté. Alors ça, ça, ça explique pas vraiment hein, leur, 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 leur démarche. On peut imaginer que cette démarche-là, ils l'ont ils l'ont faite dans euh, un travail en fait de capacité à mobiliser des experts, à aller discuter avec des experts euh, de façon euh, non plus institutionnelle, non plus structurée. Mais euh, je crois que ça, c'est quelque chose que nos étudiants doivent vraiment euh, entendre. C'est que euh, la capacité aujourd'hui pour résoudre un problème, on ne peut pas le faire tout seul et, et la capacité à aller mobiliser des intervenants, à aller discuter avec des intervenants, à aller chercher de l'information, même si ce n'est pas présenté sur un plateau d'argent, est absolument indispensable. C'était une toute, toute petite parenthèse en dehors de la synthèse. Euh, par rapport donc à cette question d'entre-apprentissage, euh, je crois qu'il a aussi été beaucoup euh, sujet de régulation et notamment de régulation en temps réel, c'est-à-dire que, termes de savoir-être, on demande et on attend des personnes qu'elles soient très réactives. Euh, cette question en temps réel et cette question de régulation, elle est assez complexe. Dans la mesure où il s'agit bien sûr de faire en permanence une mesure d'écart entre les besoins des apprenants et les résultats attendus. Le problème par rapport aux besoins des apprenants et des résultats attendus, c'est qu'il y a les résultats attendus par le référentiel de formation qui suivent, et puis euh, il y a le résultat attendu qu'ils maîtrisent à minima le français. Et en fait, euh, la, toute la, tout, le, tout le travail euh, de, de, des enseignants va être de mener cette régulation entre ils doivent à telle date être capables de maîtriser le français de telle manière pour pouvoir suivre le référentiel, en même temps ça ne se fait pas forcément, et donc toute la régulation va être d'aller en individualisant l'enseignement euh, rechercher ou repêcher des étudiants qui seraient éventuellement euh, en difficulté par rapport à cette progression pédagogique attendue. Donc il y a, il y a deux, euh, il me semble avoir entendu qu'il y avait vraiment deux efforts à faire. Euh, celui de devoir suivre la, les, le, le cadre de référence. Alors on a parlé souvent en termes de cadre de référence du, CE, du CECR, donc le cadre européen commun de référence. On a parlé bien évidemment des référentiels de formation. Mais au-delà de ça, il y a cette capacité à évaluer le niveau de chaque élève pour pouvoir l'aider dans sa progression. individuelle. je continue donc euh, on a vu donc la question euh, d'être mobile et adaptable on a vu la question de pouvoir travailler en équipe et de l'importance euh, d'un travail euh, euh, pluridisciplinaire donc avec une coopération étroite entre les enseignants et puis donc en termes de savoir faire faire appel et mobiliser des réseaux d'expertise et puis intégrer donc des équipes euh, interdisciplinaires ça signifie que en termes de savoir être c'est la capacité à s'auto former. À se remettre en cause et accepter aussi les idées d'autrui. Euh, il a été dit euh, notamment au démarrage euh, qu'il fallait s'adapter au dada de chacun, euh, c'est-à-dire arriver à comprendre et à se mettre suffisamment en empathie euh, sur le pourquoi euh, de cette conception pédagogique et d'adapter sa propre conception pédagogique à, euh, à celle euh, de la progression pédagogique de son, de son collègue. Euh, bien évidemment, c'est la capacité à être en concertation pédagogique permanente. Par rapport à ces éléments-là également, euh, on retrouve le terme de euh, donc on vient de parler donc de travailler en équipe, de s'intégrer dans un environnement multiculturel et puis bien évidemment, il y a cette capacité à communiquer. Donc par rapport à cette capacité à, à communiquer, il a été souligné euh, à plusieurs reprises. Alors j'ai pas si j'ai la récurrence par exemple euh, la J'y reviens par rapport à, à, au fait de, de communiquer en mobilisant donc des supports différents, variés, être très créatif. Euh, et par rapport à ça, euh, dans les supports qui ont pu être mobilisés, on a bien évidemment euh, le. Excusez-moi. Euh, la capacité, alors, le, le, non, pardon, un des, des, des supports très variés. On a parlé du théâtre, on a parlé même de l'œnologie, on a parlé euh, de mobiliser toute une série de, de, de supports pour euh, diversifier euh, les, le, le, la, les, les les capacités supports d'apprentissage, etc. Euh, on a parlé euh, du diagramme de Kant qui peut être aussi l'occasion de faire travailler les étudiants. On a aussi beaucoup parlé donc à, à, à quatre reprises. Pardon. Euh, des intervenants ont mentionné le fait de faire travailler, et c'est les enseignants de FLEU, a priori, qui en ont, si je l'ai bien compris, la charge, autour de la question de l'insertion professionnelle, euh, l'élaboration du projet professionnel, etc. Travailler sur un CV, travailler sur une lettre de motivation, c'est bien évidemment l'occasion de travailler sur des, des, des compétences rédactionnelles les faire travailler aussi euh, sur un argumentaire les faire travailler sur des illustrations euh, donc tous ces supports là sont des supports qui permettent aussi euh, de, de communiquer de communiquer autrement euh, par rapport à la communication également euh, on, on voit qu'il y a différentes postures à, à adopter euh, face au groupe classe et à savoir donc à des moments un travail Très collectif, à d'autres moments un travail très individuel et à d'autres moments des temps individualisés. Donc on nous a parlé par exemple de, de travail euh, en autonomie, donc le groupe est en autonomie et la possibilité de, de travailler de façon individualisée avec, euh, avec euh, un, un, un mini-groupe euh, d'apprenants, de, de, voire, euh, voire un seul étudiant, donc individuel. Pour arriver à bien communiquer, cela suppose d'être capable d'évaluer, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais cette évaluation, elle se positionne à, à des moments très différents du processus pédagogique. Bien évidemment, on a une évaluation très globale qui est l'évaluation, donc être capable d'évaluer une demande, un besoin, des besoins initiaux. Il y a aussi d'évaluer au cours du processus, qui n'est pas du tout, du tout le même, à mon avis, processus. Et donc, ce, au cours du processus, c'est d'être capable de menuer une régulation, une remédiation. Et par rapport, à, donc, toujours à évaluer, cette évaluation, elle doit être subtile. Une des intervenantes, par exemple, disait que, par exemple, il fallait repérer d'où venaient les erreurs et que quand on a une personne qui est vraiment dans l'initiation de la langue, il n'est pas si facile de diagnostiquer si l'erreur vient de la compréhension linguistique, ou si elle vient tout simplement d'un problème de compréhension du processus, par exemple, scientifique, s'il si est dans, une, dans un dispositif scientifique. Enfin, euh, la dernière, le dernier élément donc, de, de ce slide, on attend donc, des, des apprenants euh, ingénieurs d'être rapidement opérationnels. Je crois qu'on demande exactement la même chose aux enseignants. Par rapport donc, à, à, à ces capacités d'être rapidement opérationnels, euh, nous a été cité euh, des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Je vais les citer rapidement. Alors, par rapport aux, aux connaissances, la connaissance d'un cadre de référence, j'en ai parlé déjà, donc du, le, le CECR, les référentiels de formation qui sont indispensables euh, pour pouvoir euh, se positionner pendant tout le processus pédagogique. C'est bien évidemment une connaissance de la méthodologie universitaire, donc connaître les contraintes institutionnelles, connaître les normes bibliographiques, les rapports écrits. On a vu avec la dernière intervenante qu'on pouvait aussi travailler sur des courriers d'entreprise, l'élaboration de dossiers. C'est aussi bien évidemment de connaître les attendus lors d'une présentation orale, la capacité à commenter un schéma. De nouveau, hieroglyphes, le hieroglyphes. bien sûr, les règles de déontologie, euh, les codes de la propriété intellectuelle. Euh, je ne je, je les, je les énumérerai pas tous, mais là, on a toute une série d'informations de, 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 institutionnelles à intégrer et à connaître pour pouvoir accompagner, bien évidemment, les apprenants sur, euh, sur leurs propres apprentissages. Et puis, euh, donc, tous ces tous ces éléments vont permettre euh, de comprendre les attendus, d'analyser et d'appréhender les différents euh, types d'écrits, euh, le discours universitaire, de préparer des, aux oraux, euh, etc. Et puis, euh, toujours dans cette capacité à être rapidement opérationnel, euh, il y a euh, la connaissance d'outils. Et là, euh, ont été cités euh, par tous les intervenants, à l'exception d'un, les TIS, euh, connaître les supports multimédia. Euh, les plateformes pédagogiques ont été citées par euh, euh, six des intervenants. Euh, alors, euh, on a aussi donc bien évidemment l'utilité euh, d'Internet, euh, être capable de repérer la variété. Euh, alors justement par rapport à, à Internet hein, ce, et tous ces supports-là, euh, la, der, la, la dernière intervenante nous, nous précisait à quel point. Euh, c'était intéressant parce que euh, Internet proposait une variété de cheminements cognitifs et que à partir de ce moment-là, euh, les, euh, les, les apprenants aussi pouvaient, du coup, euh, dans, dans la logique d'individualisation, trouver aussi des ressources. Et puis, euh, on va avoir aussi donc des plateformes pédagogiques. Alors, euh, ont été euh, présentés par exemple le module PADEM ou euh, Philippe. Qui sont des préparations à distance aux méthodologies universitaires et qui peuvent mobiliser donc du coup par les intervenants. Et ce qui permet aussi de dire que tous ces, tout, tout, tout ces étudiants, euh, enfin tous ces enseignants euh, doivent se préparer à des enseignements extrêmement polymorphes qui peuvent se faire in situ, qui peuvent être des enseignements hybrides ou qui peuvent être des enseignements à distance. Euh donc voilà, tout, toutes ces, ces connaissances et notamment ces connaissances d'éthique, eh ben, elles permettent aussi de sélectionner des, des, un matériel euh, euh, existant, euh, d'utiliser euh, des techniques diversifiées, de valoriser les approches et dispositifs pédagogiques et euh, donc euh, de, de, de pouvoir ainsi euh, avoir euh, une, des, des séquences pédagogiques extrêmement riches et variées. Euh et puis, je crois que euh, je vais finir sur les, les derniers savoir-être que sous-tend tout ce travail-là, à savoir être en, en veille euh, permanente, être, donc je l'ai redis, je le redis parce que c'est quand même un élément qui, là aussi, je l'ai noté neuf fois, donc la capacité à s'auto-former, euh, être en veille permanente, suivre les changements. Euh, voilà, voilà encore, on revient sur l'idée de mobilité et je parlais tout à l'heure des savoirs, savoir-faire, savoir-être et on parle aussi des savoir devenir. Ce savoir devenir aujourd'hui et dans ce métier-là, il semble activé en permanence. Euh, il, il suppose vraiment euh, c est, c est, cette euh, voilà, c'est un élément qui, qui est revenu de façon très importante. Euh, on a entendu dans les savoir-être bien sûr la rigueur, euh, être capable de gérer les imprévus et puis. Euh, savoir donc voilà et, et enfin peut-être ce sera pour boucler la boucle euh, savoir prendre du recul et il a été dit que savoir prendre du recul parce que bien évidemment les résultats obtenus et euh, eh bien dépendent bien évidemment euh, de l'enseignant mais aussi de l'apprenant qui est bien évidemment acteur lui-même de son action et donc la, la boucle est, est bouclée sur le parallèle et, et ce processus entre l'apprenant et, euh, et l'enseignant euh, voilà, j'aurais un dernier élément éventuellement sur lequel je voudrais revenir euh, en me plaçant sur, euh, sur le positionnement donc, des, des personnes qui sont actuellement en master 1, en master 2 et qui se posent des questions pour évoluer vers ces métiers-là. Je crois qu'il faut quand même rappeler qu'une compétence, c'est quelque chose qui évolue, qu'on euh, n'a pas immédiatement une maîtrise parfaite d'une compétence qu'une compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert de façon extrêmement progressive, qui est évolutive, et que euh, ces compétences aussi, on va les mobiliser au fur et à mesure de son ancienneté. Euh, ces missions vont s'élargir, c'est-à-dire qu'on euh, commence par hein, euh, des missions relativement spécifiques, et puis elles s'élargissent progressivement. Et on peut le voir sur une bonne partie de nos intervenants euh, qui aujourd'hui euh, sont peut-être moins enseignants de fleuve que euh, coordonnateur pédagogique de ces dispositifs. Et euh, bien évidemment, il y a derrière tout ça toute une série euh, de nouvelles compétences qui peuvent se développer. Euh, il a été donc dit aussi qu'au-delà de la question, bien évidemment, de l'enseignement, eh bien, il y a euh, d'une part des... Euh, hop, hop des contraintes budgétaires, et ces contraintes budgétaires, eh bien, elles obligent quelquefois euh, à réfléchir à la rentabilité d'un cours et à évaluer la rentabilité d'un cours, euh, voire euh, à l'autofinancer. Euh, donc, à partir de ce moment-là, eh il y a la capacité à promouvoir euh, sa, son, sa formation, il y a la capacité à savoir diversifier les supports et euh, pour attirer aussi euh, de nouveaux apprenants, voire là on pourrait dire de nouveaux clients, c'est un terme qui a été utilisé à deux reprises. Euh, c'est aussi d'offrir un service et de s'adapter euh, à, à des établissements membres. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, le. Eh bien, une, une, une vraie réalité qui est le, le besoin de résultats euh, qu'on qu retrouve à, à moult reprises. Et puis, on a entendu encore trois autres compétences portées par nos intervenants. La coordination d'équipe, mettre en place des accords de coopération et puis euh, la capacité aussi de démultiplication, c'est-à-dire la capacité à reproduire une formation à partir du moment où elle a un fonctionnement. Voilà, merci beaucoup.